Tabara, peuple d'Afrique, tu dois demander, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Non, non, non. Le jeune Kim Jong-un, frère, c'est que la décision qu'il a prise là, à Manille. À Manille, c'est pas bon. Écoutez. En provenance de Corée du Sud. On vous en parlait déjà hier. Selon Séoul, des milliers de soldats nord-coréens sont en passe d'être envoyés en Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. Ambroise Boulet. La Corée du Nord va-t-elle entrer à son tour en guerre contre l'Ukraine? Selon le renseignement sud-coréen, 4 navires russes auraient transporté la semaine dernière quelques 1500 soldats nord-coréens vers la Russie. Ces images satellites prises côté russe montreraient des troupes nord-coréennes rassemblées sur des terrains d'entraînement russes. À Sergeïevka, une autre base militaire russe, des vidéos diffusées sur les réseaux ukrainiens révèlent un regroupement militaire, ainsi que des soldats asiatiques en train de collecter leur équipement. La télévision sud-coréenne dit avoir identifié sur une photo prise dans le Donbass un ingénieur nord-coréen spécialisé dans les missiles, précédemment photographié aux côtés de Kim Jong-un. Moscou dément ces accusations, mais pour le président ukrainien, l'implication de la Corée du Nord constituerait la première étape d'une guerre mondiale. Nous avons eu la confirmation que la Corée du Nord a envoyé du personnel technique et des officiers vers les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, et qu'ils se préparent à envoyer 10 000 soldats. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont conclu un accord militaire en juin dernier. L'utilisation de missiles nord-coréens a déjà été signalée en Ukraine. Cette fois, l'envoi de troupes permettrait de renforcer l'armée russe après de lourdes pertes, tout en dotant les Nord-Coréens d'une expérience de combat dans un conflit moderne. Tous les experts militaires vous diront avec raison que leurs chars ne sont pas de première jeunesse, mais c'est quand même la quatrième armée du monde. Cette alliance renforcée entre Pyongyang et Moscou inquiète aussi la Corée du Sud, qui redoute un bouleversement de l'équilibre sécuritaire dans la péninsule coréenne. Hein? Non, 10 000 soldats selon Zelensky. Mais les Russes disent, ah non, 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 c'est faux. En tout état de cause, ce que nous savons et qui est vrai, qui est vérifié, c'est que il y a un accord d'assistance mutuelle qui a été signé entre la Russie et le petit Nord-Coréen. Entre Poutine et le petit Nord-Coréen. Donc, cet accord existe. Alors que les Occidentaux ont parlé beaucoup. On va, on va donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper en profondeur. On va donner des F-16. On entend même plus parler des affaires des F-16 là. Oh, il y a 76 F-16 qui ont été livrés à l'Ukraine. Oh, il y a. Oh, il y a. Il y a 10. Il y a 10 F-16 qui étaient effectivement livrés à l'Ukraine. Les 10 F-16 sont déjà arrivés sur le territoire ukrainien. Et les Ukrainiens qui. Le seul pilote ukrainien qui était capable de faire voler un F-16, s'est envolé et les Russes l'ont descendu en même temps. Barabana. Kosso, lui, Abana. Donc, Poutine, maintenant, il veut, il veut contre-attaquer. Vous comprenez ça? Il a actionné le président Loukachenko. Loukachenko dit qu'il avait des informations que seul, qu'il n'avait pas, il n'avait même pas encore envoyé aux Russes. Et que les Ukrainiens s'apprêtaient à attaquer son territoire avec l'aide de l'OTAN. Et que si ça arrive, c'est la troisième tirade. Vous comprenez ça? Donc là, maintenant, Poutine, bon, je sais pas si c'est vrai, hein, voilà, actionne le Nord-Coréen. Le Nord-Coréen, eux aussi, ils rentrent dans la danse. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Les Tchétchènes, ils sont déjà dans la danse. Mais il a rencontré même, comment il s'appelle, Kadyrov, Ramdan Kadyrov. Il a même rencontré Ramdan Kadyrov. Je vais venir avec cette vidéo incessamment. Pouvez-vous vous montrer
l'entretien entre Poutine et Ramzan Kadyrov. Les deux sont là comme ça. Et puis c'est Popo. Ouais, elle veut vous dire ça. J'ai un camarade pays d'Afrique. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour vous dire vrai, Poutine, il est capable. Parce que trop, c'est trop. Les Occidentaux ont franchi trop de lignes rouges. Ça a lui maintenant de préparer la contre-attaque. Et il sait que si on ne fait pas attention, ça peut créer réellement la guerre. Et lui, il va pas se laisser surprendre. Il a déjà formé son bloc. Vous entendez, depuis des jours, Taïwan, la Chine se prépare. Taïwan se prépare. Vous entendez ça, non? Bon. Au même moment, vous avez appris que le Kim Jong-un a dynamité le seul passage physique terrestre qui permettait de relier les deux Corées. Même les images que vous avez vues là, c'est Séoul. Séoul, c'est la Corée, c'est la capitale de la Corée du Sud. Le pays de Wang Juchoy et de comment il s'appelle l'ancien secrétaire général de l'ONU là, Ban Ki-moon. Donc ceux-là, nous on peut jamais les aimer. Ouais, non, c'est pas que le peuple, non, les dirigeants là, on peut jamais aimer ceux-là. Ban Ki-moon, c'est un Satan. Wang Juchoy, c'est un maudit. Donc, moi, je suis un Nord-Coréen. Si ça démarre, moi, je supporte les Nord-Coréens. Voilà, ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, même dans l'histoire, c'est ceux-là qui sont battus pour l'indépendance. Parce qu'ils avaient été envahis par le Japon. Ceux-là qui ont fait le combat. Et puis, les Américains sont venus couper. Ouais. Avec le général Makatu. Un sanguinaire dégalé. Un sanguinaire grave. Makatu. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe. Actuellement, entre ces deux pays-là, ça ne va pas. Ça peut démarrer. Donc, la Russie aide la Corée du Nord à travailler sur des hautes technologies en termes d'armement pour la conquête spatiale. Les fusées, tout ça. Là. La Russie aide le petit. Là. La Russie met sa technologie à disposition de ce pays. Donc lui aussi, il met ses hommes. Et puis, même au niveau économique. Au niveau économique. Même au niveau, je dirais, alimentaire. La Russie aide ce pays-là. C'est grâce à la Russie, d'ailleurs, que la Corée du Nord n'est pas totalement faillite. C'est la quatrième puissance militaire mondiale. Mais en termes de comment on appelle ça, en termes de nourriture, en termes d'économie, ils sont derrière. Leur économie n'est pas forte, mais militairement ils sont forts. Donc la Russie, ils essaient de compenser l'un et l'autre. Donc ce gars là, il peut très rapidement répondre oui aux sollicitations de la Russie. Ça, c'est clair. Donc, il faut craindre. Et lui aussi, de son côté, lui va envahir la Corée du Nord, la Corée du Sud. Oui, lui, eux ne vont pas renoncer. Hein. Ils veulent associer la Corée. Ils veulent associer les deux Corées. Ah, c'est son intention. Son grand-père a essayé, son papa a essayé. Et lui, maintenant. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, on suit l'affaire de très près. On suit ça de très près. Voilà. Donc, j'ai quand même pu l'avoir, ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.